Vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce que l'énéagramme? C'est quoi ce modèle de structuration de la personnalité qui nous parle de 9 profils? Hein, ce serait comme 9 familles de personnalités. Et ça va bien au-delà d'ailleurs, hein, puisque l'idée c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière la personnalité et d'expliquer surtout les différentes visions du monde, les différents types d'intelligence qui nous composent et de regarder en quoi on en a toujours une qui marche, entre guillemets, qui est plus fonctionnelle qu'une autre, et aller voir, découvrir, aller à la découverte de notre profil de personnalité, ce qu'on appelle le profil de base. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une étiquette, ou si toutefois il s'agit d'une étiquette, il s'agit d'aller au-delà et d'en sortir. Et c'est justement ce qu'on vous explique pendant ce week-end-là. C'est vraiment un week-end de présentation qui peut vous donner envie par la suite d'approfondir. C'est vraiment très structurant, c'est très aidant pour accompagner les personnes si vous êtes accompagnant, pour explorer plus facilement vos mécanismes si c'est un travail sur vous-même, pour essayer de mieux comprendre les autres, famille, amis, conjoints, collègues. Ça peut vous donner beaucoup d'éléments pour apprendre à mieux communiquer et surtout comprendre en quoi on est à ce point différent, mais surtout comprendre d'où viennent ces différences. Puisqu'en fait, ce sont tout simplement des visions du monde qui sont différentes. Mais au fond, on a tous les mêmes besoins de base et c'est simplement les stratégies qu'on va mettre en place et les motivations qu'il y a derrière nos comportements qui sont à mettre en lumière et à comprendre pour tout simplement aller mieux. Voilà, donc on vous propose de nous rejoindre pendant ces 2 journées et par la suite, on vous proposera sans doute des approfondissements, des week-ends d'approfondissement. Voilà, vous avez toutes les coordonnées qui sont indiquées dans le descriptif. On vous dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.